I'm in a group of fellow fat babes, uh, and somebody had asked, Hey, has anyone noticed the uptick in fat or plus size people doing weight loss content recently? Very fat and very sexy. And I am 100% glorifying obesity. You work out because you want your body to look a certain way, you don't care about health, you are fat boba. Nash Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qu'il faut regarder à l'envers. Peace. Bien entendu, soyez sexy. Bon sinon j'espère que toi ça va Moi ça va à la perfection, tu l'as peut-être remarqué mais je me suis habillé en noir pour faire le deuil du body positif. D'ailleurs si t'es nouveau sur la chaîne et que tu désires m'accompagner dans ce deuil, tu peux le faire en t'abonnant et en activant la cloche des notifications. Et si jamais t'es de retour pour la deuxième, troisième ou que sais-je, quatrième fois et que t'es toujours pas abonné, bah qu'est-ce que t'attends Je suis un plan d'un soir, moi, c'est ça Allez, je te laisse corriger ça et si à la fin de la vidéo tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton là like et qui me faire un petit coucou en commentaire. Ok, la team, comme tu l'as sûrement compris avec le titre de la vidéo ou encore avec mon histoire de deuil, aujourd'hui on va venir parler d'un mouvement sur lequel je me suis déjà exprimé à moult reprises. Généralement pour parler des nombreuses failles dans le système et pour exprimer à quel point ce mouvement qui partait d'une bonne intention à la base a fini par devenir l'un des mouvements les plus toxiques que l'on connaisse. Et bien aujourd'hui je parle de ce sujet, probablement pour la dernière fois. Ah, en effet, là t'as le Titanic, est en train de couler, là t'as les violonistes ils sont en train de jouer leur Morceau pour la dernière fois. T'as Jack et Rose qui sont en galère sur une planche, sauf que sur la planche il a que Rose alors que la planche avait très bien la place pour mettre les deux en même temps. Désolé. Même après toutes ces années, je digère toujours pas. Bref, comme tu l'as sûrement compris, il y a énormément de choses intéressantes à dire et énormément de choses intéressantes à pointer du doigt. D'ailleurs, en ce moment, j'adore pointer des choses du doigt parce que du coup, ça me permet de mettre en évidence ma montre Holzkorn. Bon, il faut qu'on discute de quelque chose d'important. Depuis tout à l'heure, je te vois loucher sur ma montre et ça crée un peu une ambiance bizarre. Bon après, je te comprends cette montre est sublime. Un peu comme toutes les montres de chez Holskern. Holskern, c'est une marque qui propose des montres, des bijoux, des lunettes de soleil, des cases, et le tout fabriqué à base de produits naturels. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, vu que je suis un amoureux de la nature. La preuve, voici une vidéo de moi en train de faire un câlin à un arbre. Et alors, parmi tous leurs modèles, les deux que j'ai préférés, c'est le modèle San Francisco, qui est en zebra wood et en érable, et que je trouve, mais alors, méga original, et qui est parfait quand je veux un look habillé mais quand même détendu. Et le modèle Singapour, qui est en érable et en marbre, qui est d'ailleurs le modèle que je porte là tout de suite. Et celle-là, elle a un look qui est beaucoup plus plus versatile. En gros, je peux la porter à des événements qui ont un dress code tout comme je peux la porter avec du streetwear. Après, il peut parfois arriver que je veuille me taper un kiff et là je porte les deux montres en même temps. En fait, j'essaie de lancer une mode et figure-toi que tu peux te taper exactement le même kiff et toi aussi avoir deux montres. En effet, jusqu'au 20 novembre, holzkern te permet d'avoir ta deuxième montre à moitié prix. Et le 20 novembre, c'est bientôt, donc je pense que tu devrais faire vite. Perso, je suis un grand fan de montres, j'en ai beaucoup porté pendant toute ma vie et je trouve que c'est super important d'avoir une sélection de montres qui te permet d'être adapté à la tenue que tu portes ou à l'endroit dans lequel tu te trouves. Et en tant que fan de montres, j'ai pas mal de pièces et pour le coup, les montres holzkern, elles sont tellement qualitatives qu'elles tiennent tête sans aucun problème à des montres qui sont beaucoup plus chères. Je te laisse donc aller obtenir ta montre de qualité. Tu peux choisir le même modèle que moi comme ça on sera tous les deux des jumeaux de montre, ou en prendre une autre qui te correspond plus. Ils ont plus de 1000 modèles donc tu as bien bien le temps de trouver ton bonheur. Pour profiter de l'offre, il te suffit de cliquer sur le premier lien que je te mettrai en description de cette vidéo. Merci à Holskern d'habiller mon poignet aussi parfaitement et nous on est reparti pour la vidéo. Donc le mouvement Body Positive est un mouvement qui a émergé globalement dans les années 60, mais a commencé à vraiment prendre de l'ampleur au début des années 2000, et encore plus dans les années 2010. Pendant cette période, on avait un focus qui était mis sur des corps hyper fins, comme par exemple Paris Hilton ou encore Kate Moss. Puis en 2010, c'est les corps BBL qui ont pris la relève avec des tailles super fines et des fessiers super développés, comme par exemple Kim Kardashian. Et au milieu de tout ça, on a commencé à se rendre compte que ces standards de beauté étaient hyper toxiques pour les filles qui cherchaient à ressembler à ça, alors que ressembler à ça naturellement c'est si à pas la génétique pour, c'est extrêmement difficile. On s'est donc retrouvé avec des pratiques extrêmes, comme par exemple l'utilisation de piles minceurs dangereuses, ou encore manger des quantités qui seraient à peine suffisantes pour un enfant de 2 ans. Ou d'autres régimes encore plus extrêmes où là t'as carrément pas le droit de manger, tu dois te contenter de lécher les murs. Bref, ces standards de beauté apportaient beaucoup plus de mal que de bien, et le mouvement body positive a été une bouffée d'air frais au milieu de tout ce bordel, en venant expliquer l'importance de s'aimer soi-même et surtout aimer son corps. Peu importe à quoi il ressemble. Bref, un discours magnifique. Puis, autour de 2015-2016, Internet est passé par là et il a fait ce qu'il fait de mieux, tout foutre en l'air. Ce mouvement est complètement parti en sucette. Il est passé de ⁇ on veut simplement être accepté ⁇ à ⁇ si t'es pas attiré par nous, t'es grossophobe ⁇ Il est passé de ⁇ on peut être beau, même avec des rondeurs ⁇ à ⁇ si tu cherches à perdre du poids, t'es grossophobe ⁇ Ou encore, il est passé de ⁇ on veut accéder aux mêmes espaces publics que tous les autres ⁇ à ⁇ les couloirs d'avion sont trop petits parce que les avions sont grossophobes. Bref, tu l'as compris, le monde entier est devenu grossophobe. Si tu mettais céréales avant ton lait, t'es grossophobe. Si t'as le malheur de boire du café décaféiné, t'es grossophobe. Pour te la résumer, on est passé d'un mouvement qui cherchait à défendre certaines personnes à un mouvement qui cherchait à attaquer d'autres personnes. Et cette précision est super importante parce que énormément de Youtubers dont je fais partie, quand on va dénoncer ce mouvement, on va se prendre des réflexions du genre Ah, donc toi t'es contre le fait que des gens se sentent bien dans leur corps Et bien sûr que non. On est contre le fait que des gens qui se sentent pas bien dans leur corps attaquent d'autres personnes afin de pouvoir se sentir mieux dans leur corps. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une très grosse différence entre le body positive de base et le body positive post 2015. Et nous en général, on va venir attaquer le body positive post 2015. Et donc forcément, ce qui devait arriver arriva, la lassitude a fini par prendre le dessus et un grand nombre de personnes qui autrefois ne juraient que par ce mouvement ont fini par se rendre compte de la grosse fraude que c'était et ont quitté le navire. Certains l'ont fait silencieusement et certains l'ont fait de façon Très public et on assiste également à une émergence d'un nouveau type de contenu où des personnes qui se revendiquaient autrefois body positive font des vidéos réactions a du contenu body positive, soit pour se moquer, soit pour dire à quel point ils trouvent ça malaisant, soit pour se remettre en question et annoncer au monde qu'ils viennent de voir la lumière. Et qui dit action dit réaction. Donc, forcément, on assiste également à l'émergence d'un contenu de type de personnes qui sont restées dans le mouvement body positive, qui déplorent que d'autres personnes soient parties du mouvement. En gros, elles font des vidéos en réaction à ces personnes qui font des réactions à leurs propres vidéos. T'as des influenceuses anciennement body positive qui commencent à documenter leur perte de poids, voire à faire des partenariats avec des marques du genre Weight Watchers. Et ça, ça fait péter un plomb aux activistes. Où t'as des anciennes figures du mouvement qui sont carrément vues comme des traîtres et défoncées sur la place publique, comme par exemple l'influenceuse qui était emblématique de ce mouvement, Glitters and Lasers. Et pour moi qui ai suivi ce mouvement de près depuis pas mal d'années, et d'encore plus près depuis que je suis sur YouTube, c'est un truc qui est pas étonnant. J'ai, on pourrait dire, assisté à l'incendie de la maison. Ah, j'ai vu la baraque cramer. Hein. Et le feu a été de plus en plus intense au fil des années. Et principalement les deux dernières années, où là, il a été très difficile de ne pas voir l'impact négatif que ce mouvement pouvait avoir. On va dire qu'en ce qui concerne les figures emblématiques de ce mouvement, la grande majorité s'est retrouvée dans trois cas de figures différents. Un qui est très bien... Un qui est pas bien et un qui est tragique. Le premier qui est très bien, c'est qu'ils ont fini par avoir une prise de conscience et se rendre compte que même si ce mouvement essaie de contredire la science et le bon sens, en te disant que rien n'est vrai et qu'être en obésité morbide n'a aucun impact sur ta santé, eh bah ben il y a un moment où la réalité te rattrape. Et quand tu frôles l'arrêt cardiaque après avoir monté ne serait-ce que 30 escaliers, tu peux te bercer d'autant de belles phrases chopées sur TikTok que tu veux. La réalité en a rien à foutre des histoires que tu peux te raconter. Et donc ces gens-là décident de changer. J'en ai documenté pas mal sur cette chaîne, mais je pense que les deux meilleurs exemples sont ni Cocado, avocado et Tammy Slayton, qui étaient vus comme des cas désespérés et qui ont pourtant réussi à inverser les choses de façon assez spectaculaire. Le deuxième cas de figure, c'est que des gens ne vont pas prendre l'exemple du premier cas de figure et vont se laisser aller et vont finir par avoir des complications qui deviennent de plus en plus hardcore à gérer et de plus en plus récurrentes au fil du temps. De bons exemples sont Amberlin Reed, dont j'avais déjà parlé et qui portes de l'immobilité, ou encore Hungry Fat Chick, qui a expliqué qu'elle a une addiction à la nourriture tellement forte qu'elle n'arrive tout simplement pas à s'arrêter malgré son état de santé qui devient très franchement inquiétant. Et troisième cas de figure, qui est le moins joyeux de tous, c'est qu'ils perdent la vie. Et c'est assez délicat à aborder comme sujet parce que tu peux jamais être sûr à 100% de la chose qui a causé ça. Mais c'est très difficile de ne pas remarquer la récrudescence de personnalités qui prenaient ce mouvement et qui finissent par disparaître. Il y en a énormément depuis deux ans. Par exemple, un cas qui est selon moi l'un des plus emblématiques, c'est celui de Jamie Lopez, qui avait ouvert un salon de beauté spécialisé pour les personnes plus size. D'ailleurs, là où cette mort-là est particulièrement triste, c'est qu'il s'avère qu'elle avait décidé de perdre du poids et qu'elle en avait perdu pas mal juste avant euh, la fin. On a donc trois cas de figure qui sont extrêmement différents mais qui pourtant contribuent tous à la même conclusion. Cette conclusion, c'est que ce mouvement, ou en tout cas ce qu'il est devenu, est tout sauf positif. Et ce retournement de situation est quelque chose auquel on pouvait très très facilement s'attendre. Au début, avec le body positif, on cherchait tout simplement à être accepté comme tout le monde et aimer son corps. Mais avec le temps, on a fini par chercher à customiser la réalité selon nos propres envies et dire qu'il n'y avait aucun lien entre l'obésité et le diabète, dire que tu pouvais faire 120 kg pour 1m60 et que ça n'aurait pas le moindre impact. Sur ta santé. Sauf que, comme dans n'importe quelle situation négative, au début tu peux ignorer le problème, mais il y a un moment où en fait la réalité elle en a juste rien à foutre de ce que tu penses. Et donc forcément, il y a un moment où tu arrives à un point de rupture, malgré les histoires que tu te racontes. Et ce point de rupture qui devait arriver tôt ou tard, a fini par arriver. Et je suis personnellement très content de voir cette transition où le fait de prendre soin de son corps est à nouveau en train de devenir un truc cool. Et tu remarqueras que j'ai pas dit le fait d'avoir des abdos tracés ou de faire du 36. J'ai dit prendre soin de son corps. Parce que ça, c'est un truc que tu peux faire peu importe à quoi ton corps ressemble en fait. D'ailleurs, c'est une parfaite transition pour dire ce qui est selon moi le vrai body positive. Et ce que ce mouvement aurait dû être depuis le début et surtout aurait dû rester. Ce que ce mouvement aurait dû être est un mouvement qui prône le fait de s'aimer, de s'accepter et de se respecter quel que soit ton corps parce que tout le monde a le droit à ces choses, mais cet amour que tu te portes ne devrait jamais être un prétexte pour te mettre des œillères et ignorer le fait de faire des choses qui peuvent n'avoir que des impacts objectivement positifs dans ta vie. Et là où j'avais un très gros problème avec ce mouvement, c'est qu'il prône le fait que si tu cherches à changer, c'est que par définition, tu ne t'aimes pas, vu que tu es censé t'aimer inconditionnellement, et donc que s'aimer et vouloir changer ne peuvent pas aller ensemble. Et pour moi, c'est exactement le contraire qui est vrai. Vouloir s'améliorer et t'assurer que tu vis ta vie pleinement et de la meilleure façon possible est, selon moi, la plus belle preuve d'amour que tu puisses te faire. Ces deux choses vont même parfaitement ensemble. Tu sais, en 10 ans à travailler avec des gens et après en avoir suivi probablement plus de 1000, un truc que j'ai remarqué de façon assez systématique, c'est que les gens qui avançaient le moins étaient ceux qui désiraient changer parce qu'ils détestaient leur corps. Le meilleur point de départ que tu peux t'accorder, c'est d'aimer ton corps là tout de suite, tout en ayant conscience que tu peux prendre des décisions qui te pousseront à l'aimer encore plus. Pas par rapport à ce à quoi il ressemble, ça honnêtement c'est secondaire, mais par rapport aux choses qu'il te permet de faire. D'ailleurs de plus en plus, le mouvement Body Positive est remplacé par un mouvement qui est connu sous le nom de Body Neutrality. Le Body Neutrality consiste tout simplement à ne pas faire une fixette sur ton corps d'un point de vue visuel, mais de tout simplement aimer ton corps pour les choses qu'il te permet de faire. Ton corps te permet de courir, de danser, de t'exprimer, de faire des câlins aux gens que tu aimes. Et ça, c'est la fonction principale d'un corps, te permettre de vivre ta vie. Et c'est pour moi une approche qui est déjà beaucoup moins toxique et beaucoup plus positive que le body positive. Bon, après, je connais assez bien Internet pour savoir qu'on va trouver le moyen de prendre le body neutrality et le faire partir en cacahuète comme d'habitude. Et c'est pour ça que j'aime la race humaine. Bon, allez, sur ce, j'ai terminé ma vidéo. J'espère qu'elle t'a fait kiffer. Maintenant, je te laisse t'installer confortablement. Cliquez sur le premier lien en description de la vidéo pour commander ta montre Allscern. Et après ça, tu m'envoies une photo de toi, tu vois, où tu fais un piss comme ça où on voit ta montre. Comme ça, moi après, je te renvoie une photo de moi où je fais un piss où on voit ma montre. Et après, on sera des jumeaux de montre et on peut faire un collage de tous les deux. Bête d'ambiance. Merci à vous d'être resté avec moi pendant tout. La vidéo. Si vous êtes encore là, commentez, démodé. <laughs> Allez, next! Eh, hey team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour me proposer ma prochaine intro et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Bon, hey. soyez yeah. Yeah. Bon. Yeah, man